Jason? Oui. Qu'est-ce que tu fais debout aussi tard? Je n'ai pas sommeil. Mais tu as de l'école demain matin. Et alors? De toute façon, j'aime pas ça. Qu'est-ce que tu as? J'ai rien. Jason, si tu as un problème, tu peux m'en parler. Alors tu t'es fait mettre à la porte pendant une semaine? Tu t'es battu avec trois garçons? Et c'était des plus grands que toi? Au début, il n'y en avait qu'un seul. Mais comme j'étais le plus fort, deux de ses copains sont mis contre moi. Jason, je ne t'ai pas appris les arts martiaux pour faire le malin et te battre à l'école. Les arts martiaux sont une discipline d'autodéfense, surtout pas d'agression. Oui, je le sais. Mais je te promets que c'était pour me défendre. Je vois. Écoute, autant en profiter pour passer cette semaine tous les deux. Rien que toi et moi. On va aller camper à la montagne. Ouais, génial. Tu as 10 ans maintenant, Jason. Je pense qu'il est temps que tu en apprennes un peu plus sur les arts martiaux. Et que tu me connaisses mieux. Tu as déjà entendu parler d'un tournoi appelé le Kumite? Bien sûr. C'est un peu comme le Super Bowl des arts martiaux, le dernier qui reste debout est champion. C'est ça. Et c'est moi le champion. Toi? Toi, t'es le champion? Oh, cool! Raconte-moi. C'est une très longue histoire. Plusieurs années après avoir gagné le Kumite, je vivais loin d'ici et j'étais un joueur très chanceux. Oui, moi aussi, je suis ravie. Bien sûr, avec plaisir, alors trinquons à notre travail. Mesdames et messieurs, rien ne va plus. Le gagnant est le vin. Voulez-vous encaisser vos gains, Monsieur Cardo? Merci. Vous avez la baraka ce soir, André. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je vous ai déjà vu ici. Je m'excuse de ne pas vous avoir remarqué plus tôt. On ne joue plus! Couchez-vous! Si vous êtes sage, tout se passera bien! Arrêtez, vous me faites mal! À vous de choisir! Lâchez-moi! Excusez-moi. Le pognon, tout de suite, ou sinon on bute tout le monde! Il faut faire attention au pari qu'on prend. Quoi? Les jeux sont faits? Monsieur Cardo, attendez. J'aimerais vous parler un instant. Est-ce qu'on se connaît? Je suis le cousin de Monsieur Romero, je m'appelle Franco. Oui, c'est vrai, oui, je vous ai déjà vu en effet. Monsieur Romero vous remercie pour votre comportement héroïque. Il y avait quelque chose de très important dans ce coffre. C'est en général le cas. Les voleurs ont emporté une chose d'une valeur inestimable. Vous pourriez nous aider à la récupérer? Adressez-vous plutôt à la police. Écoutez. Le propriétaire de ce qui a été volé est Monsieur Duvalier. C'est un homme très important dans cette ville. Et si on ne retrouve pas son bien, mon cousin sera tué. Vous devez nous aider, Alex. Vous nous le devez, non? Ou vous ne vous rappelez plus? J'ai une très bonne mémoire. Je vais voir ce que je peux faire. Mais je ne vous promets rien.
Monsieur Romero a confiance en vous. Vous trouverez ce que vous cherchez à l'entrepôt numéro 12. Ça paraît trop beau pour être vrai. Enfin, qui ne cherche pas le pourboire? Regardez-moi un peu ça. Monsieur Duvalier va être drôlement content. Ouais, joli magot. De combien est notre part? 20%. Qu'est-ce que c'est? Ramasse tout ça, vite! Ouvre-la et je vais voir ce qui se passe. Rappelez-moi plus tard. C'est comme si vous me sauviez la vie, Alex. Alors on est quitte, d'accord? Oui? Passez-moi, monsieur Duvalier, je vous prie. Boire tout seul est une mauvaise habitude. J'ai plein de mauvaises habitudes, et celle-ci en fait partie. Vous ne les pratiquez quand même pas toutes seules. Ah. Excusez-moi un moment. C'est à mon tour. Here I wait for love. All that I can do, still see your face everywhere that I can go. Monsieur Duvalier voudrait vous exprimer sa plus grande reconnaissance pour avoir retrouvé son petit paquet. Il souhaite que vous veniez dîner chez lui ce soir. Venez, je vous en prie. Il le prendrait comme un affront si vous n'acceptiez pas son invitation. Je vais y réfléchir. Alex, voici un très vieux sabre chinois. Il a participé à beaucoup de combats. Ça, c'est de la lame. Bonjour, monsieur Young. Je ne m'attendais pas à vous voir aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as à nous donner, vieux débris?
Les affaires ont été très calmes cette semaine, je ne peux pas vous donner d'argent. Comment ça, tu ne peux pas? Le patron ne va pas être content. Tu comprends? Pas de pognon, pas de protection. C'est de vous dont il faudrait qu'on nous protège. Non, 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 prenez tout ce que vous voulez, ma femme ne sait plus trop ce qu'elle dit. Pourquoi des balèzes comme vous venez embêter les gens qui ne peuvent pas se défendre? Surtout, ne t'occupe pas de ça. Ça ne te regarde pas. C'est là où tu te trompes, mon vieux, parce que tu vois le vase qui est par terre, là. Je voulais justement l'acheter. Et maintenant, qu'est-ce que je vais offrir à ma grand-mère pour son anniversaire? Elle avait une envie folle de ce vase. Alex, ils reviendront bientôt. Ils ne lâchent jamais leur proie. Remettons un peu d'ordre pour le moment. Monsieur Cardo, ravi de vous voir parmi nous. Tout le plaisir est pour moi. Votre réputation nous honore. Ma réputation? Je suis un homme pourtant discret. Votre démonstration l'autre soir a été vraiment appréciée. Excusez-moi, monsieur Cardo, je vous présente mon père, Jacques Duvalier. Ah, monsieur Cardo, ravi que vous ayez pu vous libérer. Voici Alex Cardo, l'homme qui a retrouvé ce qu'on nous avait volé l'autre soir. Oh, enchanté. Le capitaine Da Silva fait partie de la police du département. Qui a dit qu'on ne voyait jamais la police en plein effort? Très heureux de vous voir, mon cher. J'aimerais vous montrer quelque chose. Avez-vous déjà vu une telle splendeur? Monet. Pour moi, il a été le premier peintre à utiliser la lumière pour percevoir les formes. Avez-vous déjà possédé un Monet, monsieur Cardo? Mon Dieu, non. Je me suis permis de me renseigner sur votre passé. Vous avez été marchand d'art et expert en combat, c'est un curieux mélange. Je sais aussi que vous avez gagné le dernier comité à Bangkok. Vous savez tout de moi? Je prépare un nouveau comité, ici. Je vous y veux. J'invite à ce tournoi les plus grands combattants de la planète. Et je compte bien avoir tous les meilleurs. Et vous, mon cher, vous êtes le meilleur. Je peux vous affirmer que ça vaudra le coup. Monsieur Duvalier, je n'ai jamais combattu pour de l'argent. Non, pas encore. Assez parlé, allons-nous restaurer, j'espère que vous avez faim. Bonsoir. Merci. Ma fille a été très impressionnée par votre manière de vous débarrasser de ces voleurs l'autre soir au casino. Oui, c'est vrai. Vous êtes un surdoué, monsieur Cardo. Seulement un marchand d'art. De très grande renommée. Vous devez aimer être entouré d'un tas d'objets de toute beauté. La beauté a de nombreux aspects. Il arrive même parfois qu'elle soit invisible. Comment mon père a-t-il fait pour vous attirer? Il vous a promis un bon repas ou de la compagnie? Je vois que vous ne manquez pas d'humour, mademoiselle Duvalier. Cristal. Mon père dit que vous allez travailler pour lui. C'est pour le comité, j'imagine? Non, c'est fini les combats. J'ai une vie tout à fait normale maintenant. Un homme d'une telle valeur que vous doit sûrement demander beaucoup d'argent, monsieur Cardo. Alex. Tout n'est pas forcément à vendre, vous savez. Pourtant, l'argent, c'est le pouvoir. Allons, Alex. Tout le monde a un prix. Ceux qui choisissent de vivre dans un monde comme le nôtre. Moi, j'ai choisi. Vous aviez remarqué. Monsieur Cardo? Le grand là-bas, on l'appelle la bête. Je lui ai fait passer la frontière du Kazakhstan. C'est un criminel de guerre. Une véritable bête à tuer. C'est charmant. Hein?
Je ne reculerai devant rien pour trouver la meilleure. Vous plaisez beaucoup à ma fille, Monsieur Cardo. Elle ne me déplaît pas non plus. Vous vous battrez pour moi. Non. Alex, je n'ai jamais pris un non pour une réponse. Monsieur Duvalier, merci pour cette charmante soirée, mais je ne me battrai pas pour vous, ni pour qui que ce soit. Bonne fin de soirée. Ose-t-il refuser mon offre? Pour qui se prend-il? Peut-être que M. Cardo n'a pas bien compris votre offre. Eh bien, s'il n'a vraiment pas compris, on devrait peut-être pouvoir l'y aider. Quel genre d'homme peut-il être? Qu'est-ce qu'on ne connaît pas sur lui? Il a forcément un point faible. Il refuse de combattre pour l'argent. Tout homme peut s'acheter, il faut trouver comment. Duvalier savait que je ne me battrais pas pour lui. Alors il a fini par trouver mon point faible, mon meilleur ami, Maître Sun. Qui était Maître Sun? Un homme merveilleux. Mon professeur et mon guide. Tu ne m'en avais jamais parlé avant. Il y a beaucoup de choses que je ne t'ai pas encore racontées. Je n'ai pas toujours été marchand d'art. À l'époque la plus sombre de ma vie, j'étais un voleur. J'ai été arrêté et on m'a jeté en prison. C'est là que j'ai rencontré Sun. Il m'a sauvé la vie. Il m'a appris la maîtrise de soi, pas seulement physiquement, mais plus important encore, spirituellement. Il était comme un père pour moi. Oh, désolé, papa. Pour développer ton esprit, il te faudra la maîtrise de toi et la concentration. Taxi ! Taxi ! Salut, beau bras. Te fatigue pas, va. Salut, Samy. Tu vas bien? Ça va. Oui, Maître Sun est dans sa chambre. Merci. Des gens sont passés chez lui avant. Comment était-il? Des hommes comme vous. Thank you.
Oh mon Dieu. Vous cherchez quelqu'un? Est-ce que ça va? Je sais ce qui s'est passé. J'ai de la peine pour vous. Sun était un homme exceptionnel. Il était plus que mon maître. Vous étiez des amis très proches? Trop proches. C'est l'amitié que j'avais pour lui qui l'a tué. Alex, vous n'avez pas à vous en vouloir. À qui m'en prendre alors? Dites à votre père que la mort de Sun sera vengée. Tu devrais peut-être y aller plus doucement avec tes élèves. Ce n'est pas mal pour un marchand de tableaux. De tableaux non volés. Tu sais, quand on s'entraîne, on ne doit pas utiliser d'armes réelles. Ça fait progresser. Ah oui. Oh, ça c'est seulement parce que j'ai eu un petit manque de réflexes. Laisse-moi voir. Ma future mariée ne doit pas se couvrir de bleu et de balafre, ça ne se fait pas. Aurais-tu déjà oublié? La main de fer est un état spirituel. Elle ne sert pas seulement d'arme, elle peut aussi guérir. Salut. Bonsoir, Alex. Tu ne devrais pas partir à cause d'eux. On n'a pas le choix. Nous n'avons pas les moyens de les payer. Qu'est-ce que je peux faire? Personne ne peut plus rien faire. Même quand Lueng tenait cette ville, ça n'a jamais été à ce point-là. Oui, je m'en rappelle. Alex, peut-être que Lueng peut t'aider. Il t'a aidé auparavant, je crois. Il pourrait peut-être te donner un petit coup de main. Possible. Alex. Cela m'a fait beaucoup de peine d'avoir appris ce qui est arrivé. Mon cœur souffre pour le vôtre. Si je peux quelque chose pour vous, n'hésitez pas à me le demander. Qu'avez-vous appris jusque-là? Pour l'instant, je ne sais rien. Mais depuis notre conversation téléphonique, j'ai contacté certains de mes amis. Duvalier veut à tout prix que je vienne au comité. Et s'il a eu Sun, il peut aussi m'avoir. Il faut se donner un peu de temps, bien sûr, je pourrais... On ne peut pas attendre, Lueng. Il faut absolument que je trouve un moyen de m'en sortir. D'accord. Une des personnes qui travaille avec moi à Hong Kong. Il pourra peut-être vous aider. Le juge? Oui, je l'ai vu au dernier comité. Merci, Lueng. Après la mort de Sun, je n'avais plus l'impression d'exister. J'avais perdu tous mes repères, en fait. Pour la première fois, je ne savais plus comment m'en sortir. Qu'est-ce que t'as fait, alors? Mon vieil ami Lueng m'a envoyé à la montagne, chez le seul homme qui pouvait m'aider. Et ce voyage a été un voyage de l'âme et du corps en même temps. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Ça a été une immense surprise. Je suis un peu fatigué, je dois en faire combien encore? Jason, les arts martiaux sont basés sur l'esprit avant tout. Celui qui s'est vaincu lui-même est le plus puissant des guerriers. Qui a dit ça?
Confucius, c'était un homme sage. Cherchez du travail. J'ai bien peur qu'on ne puisse rien pour vous. Je ne suis pas là pour du travail. Mais tu cherches quelque chose. Je cherche Maître Makado, le juge, le grand guerrier. Tu cherches un grand guerrier dans une plantation de thé? Je ne sais pas où il peut être, on m'a dit que je le trouverais ici. Qui aurait pu te raconter cela? Désolé, j'ai dû me tromper d'endroit. Reconnaîtras-tu ce juge lorsque tu le verras? Ça fait tellement longtemps, Alex. J'ai fait un long voyage, maître. C'est Lueng qui m'envoie. Oh, Lueng. Il pense que vous pouvez m'aider. Vous êtes au courant, Pourson? Peut-être. Il est mort. J'avais espéré que les voix me mentaient. Les voix? Viens boire un thé. Ensuite, tu pourras reprendre le chemin du retour. Voici ma nièce. Alex. Charlie. Qu'attends-tu de moi, Alex? Il faut que je venge mon maître. Ah, comment? Je ne sais pas encore. Au début, je voulais faire œil pour œil. Mais c'est à l'encontre de ce qu'il m'a appris. J'ai pensé que vous pourriez peut-être me guider. Parle-moi de Sun. Qu'était-il pour toi? Il a transformé ma vie. Il était comme un père pour moi. Quand j'ai refusé de me battre pour Duvalier, il s'est attaqué à ce qui me fait le plus mal. C'est un homme très important, apparemment. Il a invité la plupart de tous les gros parieurs au comité. Et il est presque sûr qu'ils vont tous parier sur moi. Il ne reste plus qu'à tricher.
et je n'ai pas accepté. Comment doit se passer le comité? Duvalier a prévu de parier tout son argent sur un type qu'on appelle la bête. Mais il doit truquer les combats pour être sûr de ramasser la mise. Et qu'as-tu prévu pour l'en empêcher? Rien du tout. Je ne veux pas faire ce comité. J'ai besoin que vous m'aidiez à trouver un moyen de venger Sun. Peut-être bien qu'il existe un moyen. Je n'entraîne plus personne depuis des années. Mais si mon frère t'a choisi... Votre frère? Sun était votre frère, maître? Si mon frère t'a choisi comme élève, alors je pense être en mesure de t'aider. Ce serait un honneur pour moi. Le mieux serait de ne pas intervenir jusqu'au comité, et qu'ensuite un champion se présente au dernier moment pour affronter la bête. Cela bouleversera son plan. Et tu es ce champion, Alex. La surprise est l'arme la plus redoutable. L'important pour Duvalier, c'est l'argent et la vanité. Sa cupidité est son point faible. Pour parvenir au niveau supérieur, tu ne dois plus faire qu'un avec le monde qui t'entoure. Une fois, Sun m'a dit, pour maîtriser son corps, il faut d'abord commencer par dominer l'esprit. Je suis venu vous voir pour cela. Tu as pris une sage décision. Je n'ai pas terminé. Courage, continue. Ce nouveau comité sera extrêmement disputé. Ton esprit doit être aussi solide que tes muscles. Ma soif de vengeance m'y aidera. La vengeance ne suffit pas. Tu dois écouter ce que ta voix intérieure te dicte. Écoute-la. Aujourd'hui, nous nous entraînerons avec un arc et des flèches. Et où est la cible? C'est toi qui es la cible. Et qu'est-ce que vous faites? Attrape la flèche. Attraper la flèche? Comment? Fais ce que je te dis, attrape-la. Tu n'as pas réussi. Qu'y a-t-il, Alex? Tu réfléchis beaucoup trop. Tu dois n'écouter que ton âme. C'est ta tête qui te dit que ce n'est pas bon. Ça, vous pouvez le dire. C'est ce que ton estomac te dit. Mais tu dois chasser ta façon de penser si tu veux vraiment faire des progrès. Tu réfléchis beaucoup trop. Accepte cette flèche. Personne ne sait où se trouve Cardo. Et il peut se présenter, il est qualifié d'office. J'ai beaucoup trop investi sur la bête pour prendre le moindre risque. Il faut s'assurer qu'il ne participera pas au comité. Il n'y aura pas de problème, monsieur. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, il a disparu. Ça ne me suffit pas. Non, on ne peut pas prendre le risque qu'il vienne nous mettre des bâtons dans les roues. Tuez-le. J'ai réalisé que Duvalier voulait me faire disparaître à tout prix. Pourquoi? Parce que si j'allais au comité et que je gagnais, il aurait été ruiné. Il avait tout parié sur la bête? Toute sa fortune.
Alors il a envoyé ses hommes demain pour qu'ils me suppriment. Mais j'étais en sûreté dans les montagnes avec Maître Makado. Qu'est-ce que tu faisais ? Exactement la même chose que toi. Je m'entraînais comme un fou. Je devais me battre au comité pour honorer la mémoire de Maître Sun. Jason, écoute-moi. La force n'est pas le pouvoir. Le pouvoir doit provenir de l'intérieur. Regarde. Ah, c'est incroyable. Ça suffit maintenant. Ah, Alex. Tu dois avoir la foi. La foi ne tombe pas du ciel. Il faut la mériter. Essaie encore. Cette fois, sens la flèche en toi. On ne frappe pas à la porte chez vous ? Il faudrait qu'il y en ait une pour pouvoir frapper. Oh, excellente remarque. Vous permettez que l'on partage le bain ? Excusez. Vous savez, pour hier soir, je n'ai pas voulu vous offenser. Mais Sun était comme un père pour moi. Alors j'espère que vous comprenez. Vous êtes un peu comme une sœur. Oui, moi aussi j'ai réalisé que vous étiez comme un frère. Nous sommes liés l'un à l'autre par notre père, Maître Sun. Vous avez beaucoup de cœur, Shari. Vous aussi, Alex. C'est une forme d'héritage commun. Oui. Un héritage que je défendrai au comité. Si vous en sortez vivant. Salut la compagnie. Je crois qu'on a de la chance aujourd'hui. Ouais, elle est pas mal la fille. Tu ferais mieux de rester à l'écart. Bon, qui est-ce qui commence ?
Écoutez, je ne cherche pas les embêtements. Mais peut-être qu'ils peuvent te tomber dessus, hein. Aujourd'hui, nous allons tester tes réflexes. Qu'est-ce que c'est ? Ne bouge pas. Ne me dites pas qu'il est venimeux. Il l'est ? Bien sûr. J'aurais dû le deviner. Et donc le pouvoir. Kimo Lima Lama est arrivé. Où dois-je signer ? Je compte sur toi pour gagner le comité. Ne vous faites pas de soucis. Je te fais confiance. Les filles ? Va porter ça, il faut miser avant ce soir. Oui, monsieur Duvalier.
Bonsoir, papa. J'ai vu qu'Alex Cardo n'est pas encore inscrit. Notre cher Alex ne va pas faire ce comité, ma chérie. Et j'espère pour toi que tu n'es pas trop intime avec lui. Car notre ami ici présent, la bête, va me faire le plaisir d'être proclamé vainqueur. C'est pour vous. Surtout, n'oublie pas de nous garder au fond de ton cœur, Alex. Il est revenu. Le comité a lieu demain. Et les parieurs n'apprécieraient pas si j'empêchais Cardo de s'y inscrire. Il faut à tout prix l'empêcher d'entrer. Demain, je veux un gars posté devant chaque porte. Si vous l'apercevez, tuez-le. Laissez-le-moi. C'est de la part de Sun. Où sont-ils passés? Il y a un homme placé à chaque entrée? Oui, monsieur. Où est Jung? Thank you.
Mesdames et messieurs, Monsieur Duvalier vous souhaite la bienvenue pour cet événement exceptionnel. Vous verrez les plus grands combattants du monde dans ce comité. Notre premier combat va opposer la bête et Camacho Soupé. Ah, je vais. J'appelle un bon départ. Monsieur Galella, bienvenue au comité. Ma fille. Ravie de vous connaître. Oh, moi de même. Voici ma nièce. Enchantée. Enchantée. Ma fille. Bonsoir, bienvenue, vous verrez, vous allez vous amuser. Je vous en prie. Cet homme a un nombre de nièces qu'aucun autre homme n'a jamais eu. Et maintenant, Lima Lama contre Sun Han. Angibé. Sarat contre Max Omega. Mesdames et messieurs, souhaitons la bienvenue au très grand champion Alex Cardo. Thank you.
Et maintenant, Polly contre Gigi Tucker. Admirez le spectacle. Mesdames et messieurs, pour son premier combat, Alex Cardo contre Chai. Prochain combat, mesdames et messieurs, Stelio contre Sparks. Qu'est-ce que tu regardes ? On y va ! C'est toi le prochain !
Alex Cardo contre Gigi Tucker. T'as pas eu de bol, mon gars. Tu crois? On va voir ça. Du bois, il n'y en a jamais assez, Jason. Et puis fendre du bois est un excellent exercice. Ça fortifie les poignets et c'est très bon pour les réflexes. S'il te plaît, parle-moi du comité. Il fallait que je redevienne une machine, une bête de combat, je n'étais plus le même. J'ai démoli mes adversaires les uns après les autres. Il fallait absolument que Duvalier paie pour le crime de Sun, et j'étais prêt à faire n'importe quoi pour y arriver. Est-ce que tu avais peur? Non. Ma haine était bien plus forte que la peur de la défaite. Oublions ça, si on allumait le feu. Pas besoin d'allumettes, Jason. Notre esprit est beaucoup plus puissant qu'on ne peut l'imaginer. Regarde bien. Max Omega contre Chun Lin. Et maintenant, Alex Cardo contre Stelio. Je vais te tuer! Viens me battre!
À Yindi contre Bruce Burley. Regarde bien, mon vieux. Quand je vais revenir, je vais peut-être pouvoir m'occuper de ton cas. Alex Cardo contre Max Omega. Cette fois, c'est à mon tour. Je suis le meilleur!
Maintenant, Ayindi contre Alex Cardo. Thank you.
gueule! Tuez ce champion, Alex. Tuez ce champion. Champion, Alex. Champion. 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 Dis-le! Mesdames et messieurs, le grand vainqueur de ce comité est Alex Cardo. Papa, après avoir battu la bête, est-ce que tu as tué Duvalier? Et que crois-tu que j'ai fait? Tu es parti. Gagné. C'est exactement ce que j'ai décidé. Et tu sais pourquoi? Oui. Parce que tu savais que tuer Duvalier ne ramènerait pas Maître Sun à la vie. Ça t'aurait détruit l'esprit. Très bien raisonné, Jason. Je suis fier de ton travail. Je vois que tu as bien compris ce que Maître Sun et Makado m'ont appris. Ce qui aurait pu me perdre m'a finalement sauvé. Tu es prêt maintenant. À quoi? À vivre. Kick to me! Like this!